Bon, ce soir, on a une entrevue avec les gars de Tactica. Bon, Tactica, on parle d'à peu près 50 000 albums vendus en carrière, 5 nominations de la disque, une centaine de spectacles partout en province. Donc, on est rendu à plusieurs centaines. Plus que ça. C'est parfait. Ben, ce soir, on vient ici parce qu'on a un album qui vient juste de sortir à bout portant, d'ailleurs. Ouais, ben l'album fait un an qu'il est sorti, dans le fond. Un an? Ouais, au mois de novembre l'an passé, pas grave. Justement, il y a plusieurs collaborations et tout qu'on a vu avec des grands noms du rap français, Kerry James, Sherry Ken. Pouvez-vous un peu nous parler comment ça s'est passé pour vous autres, cette expérience-là? Parce que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir rapper avec des noms français. Bon, disons que c'est comme un rêve qui est devenu réalité. Tu sais, des gars comme Sherry Ken, Diane, ben c'est un... On n'aurait jamais pensé ça il y a 15 ans quand on a commencé à faire du rap, qu'on rapperait un jour avec des gars comme ça. Je pense que j'étais encore avec mon tricycle quand vous avez commencé. Pour ce qui est de la chanson en tant que telle, ça s'est super bien passé. Les gars venaient faire un show l'an passé pour Envoler Macadam. On a rencontré Sherry Ken, on lui a parlé un peu du concept, du track, tout ça. Le gars était intéressé, on lui a fait écouter le beat. Lui, il a amené aussi son point de vue sur la chanson. Puis on a enregistré ça même, c'était super. Résultat final, au-delà des espérances. Bon. Tu sais, il y a une chose, par exemple, pour ajouter, tu sais, les gens ils disent, hey, ça a l'air compliqué de collaborer avec ces artistes-là, mais tu sais, je pense que c'est dans nos têtes que ça se passe. Les gens, des fois, ils se mettent des barrières, mais si tu les approches pas, tu le sauras pas, tu sais, comment ça va se passer. Ouais. Donc, tu sais, Medine, KRS-One, Buckshot, tous les gars qui ont collaboré à l'album, je pense que c'est juste une part, regarde, on a confiance en la musique qu'on fait, puis je pense que c'est la même chose, je pense que le rap québécois est assez mature et rendu au niveau international, puis on est capable de se frotter avec ces gars-là au mic, de faire les bonnes collaborations. Ouais, je vois ça. Une nouvelle collaboration avec Five-O, ça a commencé où, tout ça? Mais Five-O, c'est des chums à nous autres. Donc, Carl Savard, qui est le propriétaire de Control, d'accord, qui est en partie propriétaire de la boutique ici avec Étienne, c'est des gens qu'on connaît, avec qui on a grandi dans le quartier ici. Donc, ça fait longtemps qu'on collabore avec ces gens-là. Maintenant, Étienne, on a parlé de ça cet été, durant une compétition de skate, on collaborait à un truc. Moi, j'étais DJ là-bas, puis il dit « Hey, les gars, on fête un 7e anniversaire cette année. Ça vous tente de préparer quelque chose pour fêter ça? » Il faisait des spectacles à la petite grenouille. Donc, on s'est assis, puis on a c'était ça, puis on est très content, le résultat est là. Donc, on a une spéciale édition avec le t-shirt et le board, évidemment, Five-O. Vous comptez ce soir en spectacle, les gars? C'est ça. Oui, on va représenter. Bon, c'était tout pour l'entrevue avec Tactica. Ne manquez pas l'album à vous partager, bien sûr. Donc, les gars, je vous remercie vraiment de cette entrevue. Merci à toi, mon ami, man. Bonne séance. Merci. Merci. Violence dans les rues, pour gens qui pensent que ça se passe juste dans les vues. Est-ce qu'on sait pas, fait pas mal? Et quand ça nous touche pas, on se dit que c'est pas grave. Et pourtant, ça se passe juste pour tout.